Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui cette vidéo, je vais la consacrer à Bruno Le Maire. J'aurais pu demander qui avait-il avant Le Maire Était-ce Bruno ou était-ce un autre homme En réalité, vous savez, si vous me suivez depuis un moment, à travers les vidéos, on l'avait mis en évidence comme celui qui était caché chez Pierre Palmade, ou plutôt qui se dissimulait. Et puis il a écrit ce livre érotique. Ce n'était pas le premier. Que se cache derrière ce libertin Alors ce que je vous propose, eh c'est d'interroger les runes et puis de demander aux runes ce qui se cache derrière le libertinage de Bruno Le Maire. Parce qu'il faut en être convaincu, Bruno Le Maire est un libertin. Mais un libertin dans ce niveau de pouvoir, qui écrit des livres, qui était ministre de l'État, on peut s'interroger. On peut s'interroger sur lui, sur ses convictions, sur son mode de vie. Mais surtout, n'oublions pas qu'il était présent à une soirée chez Pierre Palmade. Et cette soirée, c'était du, se du chème sexe. C'était de la drogue et c'était aussi un accident de voiture qui a coûté la vie à un enfant. Même s'il n'était pas né, c'était tout de même un enfant. Et puis les parents On se souvient quand même de ce drame épouvantable. Et puis, on avait aussi la protection sur Pierre Palmade. On en avait parlé à travers toutes ces vidéos. Regardez la forme des runes. Observez bien. Nous avons un, es on va dire, un cercle ici. Le feu, mais aussi ici, la protection que l'on retrouve ici. On nous montre bien un cercle qui est protégé. Bruno Le Maire fait partie d'un cercle protégé. Et c'est ce que nous allons essayer à travers cette lecture, à travers ce décodage des runes, d'observer et de comprendre. Si on regarde Anzouz, il a plusieurs significations, ou plutôt des significations complémentaires. Parce qu'Anzouz, c'est le père de l'enfance. Anzouz, c'est une rune d'enfance, avec ses joies, ses pleurs. Et puis c'est peur aussi. Mais Anzous, c'est un côté sombre aussi. Quand on mélange un côté sombre avec l'enfance, les enfants, on sait où ça mène. Anzous, c'est aussi la rune de la mort. Quelquefois, c'est la rune des monstres et du noir. Bruno Le Maire serait-il un monstre pour des enfants? On peut s'interroger parce que quasiment là, le ton est donné. La rune de l'enfance, le monstre, la peur. Et les runes continuent tout de suite avec Gebo. Gebo, qui est une rune de partage, d'échange. Pourrions-nous imaginer des échanges d'enfants ou de partage Avec ces deux runes, on peut quand même grandement s'interroger de leur signification. On va continuer sur cette prochaine rune, donc oise, qui est une rune de combinaison et de liens qui se créent, de liens à travers un cercle. Alors petite parenthèse, qui n'a rien à voir avec le tirage. Vous savez que je fais des voyances gratuites. Les voyances gratuites sont en réponse à une question précise avec votre date de naissance. Et cette réponse, au moment où je la traite en vidéo en donnant votre prénom et votre date de naissance, dès qu'elle est prête, je la monte avec d'autres vidéos, d'autres tirages. Et tout cela... En général, je la mets quelques jours après votre question en ligne le matin vers 9h. D'ailleurs, vous êtes prévenu au travers d'un mail. Donc attention, si vous me demandez des voyances gratuites, votre prénom et date de naissance seront donnés sur la chaîne. Je ne ferai pas de voyances gratuites si vous n'acceptez pas cela. Je l'ai déjà dit, je le redis, donc vous pouvez me demander des questions gratuites. J'y réponds gratuitement, ou plutôt vous pouvez me poser des questions et j'y réponds gratuitement, mais vous serez de toute manière nommé. Rassurez-vous, je ne donne que le prénom, jamais le nom de famille. Ceci étant dit, c'est pour que les choses soient bien claires et que vous ne me disiez pas après, comme ça arrive parfois, je ne veux pas que mon prénom soit donné. Ce n'est pas vous qui décidez. Si vous acceptez, si vous souhaitez une question gratuite, si vous souhaitez poser une question pour avoir une réponse gratuite, il faut accepter les règles du jeu jusqu'au bout. Rassurez-vous, il y a très très peu de personnes qui en fait n'écoutent pas. Ce sont toujours les mêmes qui voient voyance gratuite en libellé et qui veulent juste prendre ce qui les intéresse et surtout ne pas avoir. On va dire un prix à payer. Le prix est symbolique, puisque c'est simplement un prénom, une date de naissance, comme il y en a des dizaines de milliers en France. Donc ça reste vraiment anonyme en fait. Hein. S'il faut, faut être clair, ça reste anonyme. Revenons à ce tirage. Juste encore une annonce, pardonnez-moi. Dimanche, vous avez dit qu'il y aurait une voyance avec des conseils sur l'immobilier. J'ai eu quelques petits problèmes avec le. Euh, avec le projet de la chaîne, ce projet de centre de formation, j'ai dû régler tout ça en urgence. Je n'ai donc pas pu faire la voyance dimanche, la, la vidéo. Je vais la faire très prochainement. Vous l'aurez cette semaine, soyez tranquille. On en revient à ce tirage en voyant la rune des monstres, les enfants, les échanges, le partage, les liens qui se créent dans un groupe. Je trouve que ça fait beaucoup. Nous avons ici Wunjo. Wunjo, c'est une rune particulière. Wunjo, elle sert à réaliser, en magie runique, les souhaits, les voeux. Quelque part, en ayant une forme de sacrifice. Alors, souvenez-vous, hein, on en chemine comme ça. Et on arrive au fait de sacrifier quelque chose pour obtenir autre chose. C'est quelque chose que je vous, déjà, je vous ai déjà expliqué, que l'on retrouve très bien dans cette trilogie du Bastan. J'insiste peut-être lourdement parce que je veux que vous compreniez de quoi il en retourne. On accuse certaines personnes de certaines choses pour les accuser, pour comprendre ce qu'ils font. Il faut arriver à décoder ce qu'il souhaite obtenir. Je vous invite à retrouver cette trilogie du Bastan, à la lire. Je sais que certains d'entre vous l'ont fait. Ils comprennent de quoi je parle. On sacrifie quelque chose pour obtenir autre chose. Alors, bien sûr, je ne peux pas. Là, je ne peux que vous donner que des pistes parce que la chaîne serait immédiatement sanctionnée. Je suis donc obligé de rester un peu vague. Mais si vous lisez la trilogie du Bastard, vous aurez la réponse. Ce n'est que trois volumes de livres, ou pour ceux qui sont abonnés à Netflix, vous pouvez les regarder il y existe trois films sur cette trilogie. Mais il est important de comprendre de quoi on parle à propos du monstre, à propos des enfants, à propos des actes d'échange et des sacrifices. Il n'y a pas qu'en États-Unis où ça arrive. Ça arrive aussi ici, en Europe, dans notre pays. Et rappelez-vous que finalement, au départ, nous dérivons, mais c'est une voyance sur notre ancien ministre de l'économie, avec ses livres érotiques, ce qu'il souhaite transmettre, ce qu'il souhaite peut-être faire apparaître, ou ce qu'il cache. Qu c'est la rune du maître, de l'homme habile, du politique. Kenneth, c'est aussi celui qui transforme. C'est une forme d'art. De l'art dans le sens où le forgeron donne son produit. Il forge le métal. C'est donc l'art de forger le métal. Bien sûr, nous ne sommes pas ici dans, le même, dans la même teneur. Nous sommes donc devant un maître qui enseigne, quelqu'un qui sert de guide d'une certaine façon. Avec Isa, on pourrait presque dire qu'il est le, entre guillemets, le grand maître de ce cercle d'initiés. Et puis, Tiwaz ici est une rune de protection, qui est juste associée avec une autre rune de protection. Il y a donc sur tout ça, sur ce cercle et sur ce qui s'y passe, deux runes de protection. Et puis celle-ci, c'est aussi la rune de protection des mystères. Ce qui veut bien dire qu'on protège les hommes, les personnes, je dis les hommes dans le sens de l'être humain. Mais ici, on protège aussi l'information qui est dedans, le mystère. Raido, c'est la rune du mouvement, un mouvement vers d'autres expériences. Ce qui montre que ce cercle de personnalités, de personnes, est toujours en mouvement, à la recherche d'une nouvelle quête. De, nouvelles, de nouveaux espoirs, de nouvelles demandes, de nouvelles espérances. Agalaz que voici. Le saviez-vous, c'est qu'Agalaz n'a pas que cette, cette représentation. Elle est parfois représentée sous la forme d'une rosace. Les rosaces, vous en trouvez parfois, sur des bâtiments anciens. Des bâtiments qui, on va dire, c'est un signe de protection sous le, sur le bâtiment. Mais c'est aussi un bâtiment, un signe de rassemblement sur ce bâtiment. Ce qui pourrait montrer qu'il se passe peut-être des choses que l'on ne connaît pas dans ces bâtiments. Alors, en faisant cette vidéo au départ, je ne pensais pas que nous allions évoquer ce genre de sujet, à propos finalement que d'un libertin comme il y en a d'autres. Certes, ils ne sont pas tous ministres de l'économie, et fort heureusement, vu les résultats. Mais si on regarde, on peut s'interroger. Ça, Ça nous révèle quand même qu'il y a des bâtiments qui ne seraient pas ce que l'on pense, et qui seraient marqués d'un seau, en tout cas plus vraisemblablement ici d'une rosace, ça ne dit pas qu'il se passe obligatoirement toujours ce genre de choses dans ces bâtiments. Mais ça montre que quelque part, ils sont des points de ralliement qui ont été créés il y a fort longtemps et que finalement, ce groupe est. Là que l'on voit évoqué ici remonte à des pratiques plus ancestrales. Alors je vous invite vraiment fortement à regarder cette trilogie pour comprendre cette vidéo pour pouvoir la décoder jusqu'au bout. Comme je vous l'ai dit, je ne peux pas employer tous les mots. Je risquerai la censure de la chaîne, voire la fermeture de la chaîne. Mais je vous ai donné beaucoup de pistes. Prenez soin de vous, les amis. Et puis, si vous avez besoin de, de renseignements par rapport à ce que je vous ai évoqué, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter sur utervoyant.com. À bientôt!